Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. En fait, les gens qui ont le club dans lequel je mets Haïti sont partis en vacances une semaine et ils nous ont demandé à nous propriétaires des chevaux, des ânes et des poneys de faire les tours de garde. Donc on y va matin et soir et puis parfois en journée quoi, pour les nourrir, pour voir si tout va bien, pour les sortir au pré et les rentrer au box le soir pour ceux qui en ont besoin, les chevaux un petit peu plus vieux, etc. Donc c'est vraiment très très sympa. J'ai pas encore tellement l'habitude, donc c'est un petit peu laborieux parfois parce que voilà, moi elle est en pension, donc c'est pas moi qui gère tout ça d'habitude, mais je trouve ça super d'avoir l'occasion de faire ça parce que en plus mon objectif sera donc par la suite d'avoir un terrain et de mettre Haïti et un autre copain. Et toutes ces choses-là, ce sera mon quotidien dans quelques mois, on va dire, quelques mois ou voire une petite année. Et c'est vraiment cool de pouvoir se rendre compte de ce que ça représente comme boulot, du temps que ça prend. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Alors. On va aller voir Invictus, c'est le petit poulain, il est trop mignon. Bonjour bébé. Bonjour petit bébé. Mon petit cul. C'est l'heure du petit déjeuner? Mon nom, c'est l'heure du petit déjeuner? Allez. À table. Allez, viens. Allez. Allez, viens. Ah, le bébé. Bon appétit. Hop. Bon, et pour être sympa, on va préparer les doses du soir. C'est-à-dire que quand j'en utilise une, j'en remets une. Comme ça, ceux de ce soir, ils ne seront pas embêtés. Donc pour le soir, Invictus, il lui faut une boîte. Voilà. Ça c'est pour Vissarka. Vissarka c'est un petit peu la mémère, une vieille mémère. Donc elle dort au box. Donc on va la faire manger et après on la sortira dans le pré là-bas. Parce qu'elle est un petit peu trop vieille pour passer toute la nuit dehors, toute mère. Voilà. On l'entend qui est contente d'avoir son petit déjeuner. Bonjour Vissarka. Voilà, bonjour. Oh. Bonjour Vissarka. C'est l'heure du petit déjeuner? Oh, ça c'est une petite jument qui a faim ça. Allez, à la soupe. Oh, à ce point-là? T'as pas mangé depuis 10 jours ou quoi? Oh, attention, Pépette. Vas-y, pousse-toi un petit peu. Est-ce que t'as de l'eau? Oui. Voilà. Attends. Bon appétit. Et là-bas, on voit Titus qui est en train de savourer son repas. C'est bon? Donc ça, c'est pour Liberty. Mélange de granulés et de floconnés. Liberty, elle attend un poulain. Donc voilà, faut qu'elle mange bien. On va de l'autre côté. C'est tout là-bas. Ils savent quand c'est leur tour. Hein. Coucou ma belle. Bien sûr. Oh. Viens. Il a le petit bébé. Ça commence à se voir un petit peu, hein? Oh là là, on tombe au bidon. Et Liberty n'importe quoi. Liberty, c'est la maman d'Invictus, le premier petit poulain qu'on a nourri tout à l'heure. Et voilà, et là, elle en attend un autre. Bon appétit, ma belle. On te sortira après, d'accord ? Elle est en train de se rouler, elle m'a pas entendu. Haïti? Bébé? Bonjour mon cœur. Je viens de dire bonjour avant de nourrir à Nouméa. Sinon tu vas m'en vouloir, hein. Oh. Salut bébé. Après je viens m'occuper de toi. Oh t'es belle mon amour. A tout de suite mon cœur. Je finis de nourrir tout le monde et je viens m'occuper de toi, d'accord? Ah bah Nouméa elle est ici. Je viens de la sortir de son box. Salut Nounou! Nouméa, je sais pas si vous vous souvenez, c'est une des premières copines de près d'Haïti. Enfin, je crois que c'est la première. Elle est énorme et c'est une Brutus. Liberty, elle a dû finir de manger. Laisse-moi passer Nounou. Ah. Je vais mettre ça là-dedans. Je m'occupe de toi, Titi. Oh là là, elle est pas contente. Hein. Je sais pas si vous avez entendu. J'allais lui mettre son foin, comme ça elle va patienter pendant que je finis de sortir les autres. Et puis, donc, elle va m'attendre. Invictus. Oh, j'ai mal au cœur, faut que j'aille la voir. Bref, Invictus, le matin, une boîte c'est fait. Vissarka, 3 boîtes c'est fait. Liberty c'est fait. Nouméa c'est fait. Donc elle ne mange pas de granulés le matin. Par contre, elles ont du foin toutes. Donc là, je vais donner le foin. Et après, j'irai sortir ceux qu'on terminé de manger et qui sont au box. On va prendre ce machin là pour mettre le foin. Hein. Non, ça va pas être pratique. Non, on va prendre la brouette. Hein. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Hop. Allez, go. Je vous lâche parce que... Et voilà le roi des bêtises. Bêtises de poulain. Tu fais quoi, Invictus ? C'est horrible, j'entends Haïti depuis tout à l'heure, faut vraiment que j'aille la voir. Super dur à défaire. Un mystère. C'est dur à défaire. Et c'est pas fini, j'en ai encore 2 ou 3 brouettes à faire. Voilà. J'ai enfin réussi à dépioter du foin. Donc voilà, j'en ai rempli une brouette. En fait, s'il n'est pas facile à dépioter, c'est parce qu'il est tout neuf, donc il est encore hyper comprimé, hyper compressé. Voilà, mais il y a un endroit où j'ai commencé à en tirer un petit peu, donc après ça vient beaucoup plus facilement. Allez, je vais nourrir Haïti et Maya. Hop. Il y a ma trompette qui arrive, et moi je vais aller remettre du foin. Et je fais gaffe avec l'électricité parce que ça fait mal. Bonjour mon bébé. Oh. Doucement, doucement ma chérie. Je suis là. Non. Viens. Haïti. Et voilà. Et elle va brouter. Pendant que j'ai sorti... Enfin, pendant que j'ai ouvert pour sortir la brouette, cette grosse mémère, elle en a profité, petit cucu. Voilà. Tu viens, Titi? Allez, viens. Comment vous voulez faire le foin avec un machin comme ça, là, qui vous fait des bisous tout le temps? Non mais, Haïti! Haïti? Ah oui, c'est pas possible. Hein. Comment voulez-vous que je fasse, moi? Regardez. Tété? Tété, tu veux m'aider? Tiens, allez. Je vais leur donner ça. Et Maya, la coloc d'Haïti. Bonjour Maya. Allez ma fille, avance un petit peu que je vais mettre le foin. Allez, transfert du foin. On peut tout prendre d'un coup. Voilà. Et je le mets là-dedans. Voilà. Il me reste plus que Lady Lily et Lady Star, voilà. Elle est trop mignonne Haïti parce que j'ai mis son foin. Oh là là, ça m'énerve les bêtes, ça la bouffe. Ouais, j'ai mis son foin là-bas. Mais elle veut toujours être avec moi, donc elle va pas manger, elle me suit, regardez. Voilà, elle veut absolument pas me quitter. Voilà. Mais va manger ma belle. Va manger, je reviens après. Et voilà les 2 dernières mémères à nourrir. Salut toi. Bonjour. Allez, on se pousse, je vous ramène le foin. On se pousse un petit peu? Ouais? Vous avez faim? Ouais, et puis il y a des bêtes, hein. Ouais. Bon, voilà, tous les animaux ont mangé. C'était les 2 dernières. Donc là, bah, il faut que je range le matos. Je pense que je vais ramasser quelques crottins dans le pré parce que il y en avait un petit peu encore et ça sent mauvais, ça attire les bêtes. Donc je vais nettoyer les crottins, je me suis mis une écharde de foin, ça fait mal ça. Bref, et je vais sortir avant les chevaux qui ont dû finir de manger. Et puis ce sera pas mal. Puis je vais aller brosser Haïti pour l'aider à faire sa mue parce que c'est une catastrophe. En fait, comme elle a très chaud, enfin comme il fait très chaud, mais qu'elle est tout juste en début de mue, bah, c'est tout moite, donc ça attire les bêtes, donc elle se gratte. Donc elle nous refait une espèce de dermite avec des grosses plaques dégueu. Donc voilà, donc faut que je l'aide un petit peu à perdre ses poils avec une étrille américaine. C'est parti. Allez Vissarka, t'as fini de manger? Elle est quand même grande en fait, hein. Peut-être comparée à Haïti. Allez, viens ma beauté. Hop. Tu fais demi-tour sans te prendre les pieds. Tu viens? On va un petit peu au frais. Attention à ta tête. Nickel. Tu peux venir, je vais faire ça. Parfait. Elle est trop belle. Allez, viens mes mères. Allez. T'as brouté au pré, hein. Voilà. Là, ça c'est ce que j'adore, c'est ne pas se faire moucher. Hop. Hop. Elle vient vite. On vérifie, il y a de l'eau. Tout est bon. Elle va pouvoir aller s'amuser dans le pré. Attends, ma chouchoute. Voilà. Attends, non, 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 je t'enlève. Je t'enlève le licol. Kik, kik. Et bon, je vais enlever son licol. Et maintenant, il me reste plus qu'à sortir Liberty, qui a dû finir de manger aussi. Donc tout est bon, il y a de l'eau, je remets le courant. Et puis bah, je pense qu'on n'est pas trop mal, hein. On a pris notre temps au niveau du timing. Mais bon, à part ça, ça va. C'est-à-dire qu'ils auront un petit déjeuner un peu plus tardif que d'habitude peut-être. Parce que le monsieur qui fait ça, il a l'habitude, il fait ça en 2 minutes 50. Mais bon. Voilà, hein, pas très grave. Là, je suis allée chercher donc Liberty. Est-ce qu'il y a ton licol ici quelque part, beauté? Oh, elle est trop mignonne. Et ça, c'est celle qui a le bébé dans le ventre. Tu veux faire un joli petit poulain? Là, je vois des bâtons. Ouais. On va mettre le petit licol. Avec la caméra, ça n'a pas été évident, mais bon. Tiens, tu mets. Hop. Vous allez avoir mal au cœur. Je vous porte. Attendez, je vais vous poser, ce sera plus simple. Le temps de mettre le licol, sinon vous allez vomir. Voilà, c'est mieux, hein. C'est belle. Allez, let's go. Ils veulent tous brouter, ils attendent même pas d'arriver. Allez, viens. Les gars, il y a ta copine Nouméa qui t'attend. Oh. Et voilà. On a fait le licol. Attends. Hop. Au revoir bébé. Et voilà, tout est refermé. Alors, j'ai quasiment tout fini, donc il ne me reste plus qu'à préparer les doses bah, pour ce soir, pour ceux qui viendront préparer. Voilà, et maintenant je vais aller brosser Titi comme je vous l'ai dit, parce qu'en plus voilà, elle m'a vu dans le club, elle m'a vu avec tous les chevaux. Donc si je passe par un petit moment privilégié avec elle, même 10 minutes pour la brosser, elle va braire comme jamais, je vais avoir le cœur déchiré. Donc voilà, je vais prendre un petit peu de temps. Là je finis de remplir le bac à granulés en mettant dans les seaux pour ce soir. Et puis voilà, je vous reprends quand je retrouve ma Titi. Voilà, toutes les rations sont prêtes. Donc il y a toutes celles de ce soir, toutes celles de demain matin. On peut fermer. Voilà. Et voilà comment mange Haïti. C'est pas possible. Il fait trop chaud dans la cabane, chérie? Tu passes juste la tête par la fenêtre? Voilà. Et après, elle s'étonne d'avoir des bobos partout. Allez, on va brosser un petit peu. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, à peine 2 coups de brosse. Oh là là. Et vous voyez, ça part carrément par plaque, quoi. Voilà, les propriétaires d'ânes, ils comprendront que c'est pas... C'est plus impressionnant que les chevaux, je trouve. Hein. Regardez ça. Voilà, regardez en quelques coups de brosse. Encore, il y en a plein à tomber. Hein. Bon, je vais éteindre ma caméra pour passer un petit moment rien qu'avec elle, hein, parce que c'est pas la même chose quand on... Quand je consacre du temps que pour elle. Et puis bah, je vais rentrer chez moi. J'ai déjà passé un bon moment. Et on ira faire une petite balade avec Luna, je pense, dimanche. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé aller nourrir les chevaux et tout, c'était marrant. Puis bah, voilà, moi ça me détend énormément avant le boulot. Bah. Là, par contre, comme je suis esthéticienne, si je chante le poney, c'est pas terrible, donc il faut que là, je me laver. Mais ouais, j'adore ces moments-là avec les animaux. Voilà, ils trichent pas, ils mentent pas. C'est des relations qui sont pures, tout simplement. Bon, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, voilà. Et puis, bah, je vous retrouve très très prochainement pour... une nouvelle aventure. Gros bisous. Tu dis au revoir Titi? Tu dis au revoir Titi? Tu dis au revoir Titi? Bon. Tu dis au revoir Maya? Et il y a les fils, mon cœur. Voilà. Elle est énorme, cette grosse tête. Regardez mon fils. J'adore ma fille. Là, elle monte les fesses pour qu'il gratte là. Elle se regarde. T'es la plus belle. La plus belle du monde. T'es la plus belle du monde. J'adore là quand c'est tout détendu ça là. Là, on a envie de faire des bisous. Ça c'est le coin le plus doux du monde pour faire des bisous.